Je m'appelle Élisée Thibault, je arrive de l'école Junia, c'est une école d'ingénieurs du nord de la France. Je m'appelle Camille Legrand, je viens de l'USTC Paris, une école d'ingénieurs spécialisée dans la construction. Je suis à la MGI et j'ai fait un stage dans une entreprise de construction qui s'appelle Pomerlo. J'ai réalisé mon stage chez Hydro-Québec, un grand employeur canadien qui produit de l'électricité. C'est l'équivalent d'EDF sur le marché français. Ce qui a fait que j'ai choisi la MGI Coop, déjà, c'est parce que c'était au Canada. Ensuite, ce qui a décidé mon choix de l'Université de Sherbrooke plus particulièrement, c'est le fait que la MGI, c'est un programme qui soit unique dans le monde francophone. Et puis, il y a eu la proposition de faire un double diplôme, et j'en étais convaincue aussi à l'époque, très bénéfique pour la suite de mon parcours, pour être plus performante dans ce que je fais, plus performante dans ma communication, dans ma gestion des équipes. Alors déjà, à l'Université de Sherbrooke, dès les premières semaines de la rentrée, on a le service des stages qui va venir nous proposer des formations pour apprendre à découvrir la plateforme de l'université sur laquelle on va pouvoir postuler à des stages. Nous a également appris à faire un CV au format québécois. Comment réaliser une entrevue, c'est pareil, c'est pas la même chose qu'en France. Et puis j'ai rencontré aussi les personnes avec qui j'allais travailler très rapidement et ils m'ont très très bien accueilli. Ensuite, on a eu une formation des témoignages d'expérience sur les différences qu'on pouvait retrouver entre la France et le Québec. Enfin, d'éviter d'arriver et d'être surpris lors de notre emploi. C'est un stage rémunéré et c'est très bien rémunéré comparé au stage en France, ce qui m'a permis aussi de pouvoir mieux profiter en fait, de mon séjour au Canada. Donc au cours de mon stage cet hiver, j'ai intégré Hydro-Québec. Je n'avais à l'époque pas encore d'expérience en cybersécurité. J'ai eu comme mandat de réaliser par exemple des tableaux de bord pour les différentes équipes de cybersécurité afin qu'elles puissent mettre en valeur les données qu'elles récoltent via leurs différents outils. J'ai également pu être responsable des simulations d'hameçonnage, c'est-à-dire de détecter la résistance de l'entreprise vis-à-vis de cette menace de cybersécurité. Pour ma part, je suis dans un domaine de construction, donc j'étais sur un chantier. On m'avait proposé beaucoup de chantiers lors de mon entrevue avec l'entreprise. Celui que j'ai choisi, c'est un centre de transport pour la STM, donc la Société des Transports de Montréal. Et le but, c'était donc de construire un gros centre pour les bus électriques. Et puis, c'était un gros chantier avec plus de 250 ouvriers par jour. C'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Les méthodes de gestion de chantier ne sont pas les mêmes qu'en France. C'est beaucoup plus séparé. On fait moins en diversité, pas forcément en quantité. Du coup, on est plus spécialisé dans notre domaine. Je pense que l'AMG va nous permettre d'acquérir pas mal d'autonomie à nous, les étudiants qui décidons de venir au Canada. Tout d'abord, pour la plupart d'entre nous, c'est une première expérience loin de nos familles à l'international. Avoir une expérience de stage dans un autre pays, c'est pas quelque chose qu'on nous offre tous les jours. Et en plus, vu qu'on est au Québec, pour ceux qui ont un peu la barrière de la langue avec l'anglais, bah, il n'y a pas ce problème-là. Donc en fait, en ce qui va concerner les différences entre le marché du travail québécois et le marché du travail français, ça va être principalement la responsabilisation des stagiaires. C'est-à-dire qu'ici, on est très vite considérés comme des employés. Et donc, on va nous confier des tâches qui vont nous intéresser. On va nous demander ce qui nous intéresse, en fait. La hiérarchie, elle est beaucoup plus horizontale. Les managers, les supérieurs sont au sein des équipes, un peu plus dans un rôle de leader. Le gestionnaire est très impliqué dans l'équipe. C'est un membre de l'équipe à part entière. Il ne faut pas être surpris qu'on nous tutoie très facilement ou qu'on nous demande de tutoyer très facilement. J'ai eu la chance de rencontrer le président avec qui j'ai beaucoup discuté d'ailleurs. C'est fou en fait de se dire que j'ai pu avoir une réelle discussion avec le président d'un leader de la construction canadienne. Je pense que ce qui est intéressant dans le fait de réaliser son stage à l'international, c'est tout d'abord d'être exposé à une nouvelle culture. Moi, je n'ai pas envie de rentrer en France pour l'instant. J'aimerais bien commencer ma carrière au Canada parce qu'il y a des opportunités qui sont, je trouve, plus intéressantes que ce que je pourrais avoir en France en sortie d'école. La maîtrise, elle se destine plus aux personnes qui se destinent à des postes de gestion de projet, sur la gestion d'équipe. Et donc, pour mon projet d'intégration, j'ai décidé d'aller dans une beaucoup plus petite entreprise de réhabilitation d'appartements parisiens. Donc j'aurai plein de petits projets en parallèle. Je voulais aussi découvrir cet aspect avec toutes les compétences transversales. On a pas mal de cours de gestion de projet qui vont s'articuler autour de toutes les facettes de la gestion de projet, que ce soit par exemple la planification ou le suivi, pour travailler sur l'amélioration continue. Et donc ces différents aspects-là, j'ai pu les mettre en place pendant mon stage de cet hiver et je compte les mettre en pratique dans mon projet d'intégration à la fin de la maîtrise. Donc en ce qui concerne le changement de pays, je pense que le Québec, c'est une transition qui est relativement douce entre ce qu'on peut avoir en Europe et ce qu'on peut avoir dans d'autres endroits du monde. Et ensuite, Montréal, c'est une ville qui est relativement un mélange de cultures européennes et américaines. J'ai hésité au début et je me suis dit,
tant qu'à être là-bas, autant avoir une expérience professionnelle, vivre le truc jusqu'au bout. Et je regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir que j'étais capable de m'intégrer dans une nouvelle culture, dans un pays qui n'est pas le mien. J'en ai appris sur moi là-dessus.